Madame et Monsieur, bonjour et bienvenue sur une Niasse Reborn. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore pour une autre vidéo extraordinaire. Témoignage puissant 33. Et nous allons directement au paradis cette fois. Ça sera chaud. Écoutez le témoignage et découvrons ce de quoi il s'agit. Si vous n'êtes pas encore abonné, pour être bien assis, cliquez sur, vérifiez bien que vous êtes abonné de cette vidéo ou cliquez sur s'abonner, activez la cloche juste à côté. Et si vous êtes touché, laissez un j'aime parce que le paradis, c'est l'endroit où nous tous, nous voulons tous, nous voulons aller. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Let's go. Bienvenue, bien-aimé. Je suis Sandoval. Je suis du pays du Honduras, en Amérique du Sud. Je suis ici D'accord. pour partager le message que le Seigneur m'a montré au cours d'une semaine de prière et de soumission. En fait, j'ai promis le Seigneur qu'au cours de cette semaine de prière, je me leverai tôt le matin pour prier. Alors que la semaine progressait, le Seigneur commença à me montrer différentes expériences pour son peuple. Je commençais la prière tôt le matin du 7 avril 2018, et je finis ma prière à l'aube du 15 avril de l'an 2018. Pendant ce temps de prière, je devais me conformer à ce que j'avais promis au Seigneur. Quand j'ai commencé ces prières, le premier matin du 7 avril, le Seigneur a commencé à me donner la première expérience à 12 heures. Le Seigneur a commencé à traiter avec moi et ma vie. Ce jour-là, le Seigneur a pris mon esprit hors de mon corps. Aussitôt que je suis sorti de mon corps, immédiatement j'ai vu un être de lumière qui se levait dans l'espace. Cet être de lumière était grand, il était vêtu d'une robe blanche. Il était extrêmement beau avec des yeux blancs et bleus, mais étrangement, il semblait avoir l'apparence d'un homme fier. Tandis que cette entité de lumière se levait, je l'observais. Puis l'Esprit Saint qui était debout à côté de moi me tenu par la main et dit, nous devons le suivre. Puis nous avons commencé à suivre l'entité qui montait au ciel. Bien-aimé, l'Esprit Saint qui tenait ma main est tellement grand et un peu mince. Il était beau et resplendissant, et il était vêtu d'un vêtement blanc pur. Il avait une voix magnifique et autoritaire. On montait dans l'espace et suivait ce personnage qui était devant nous et qui se levait en l'air. Nous allions et grimpions au ciel après lui. Après quelque temps, cette entité s'est pointée devant un bel endroit resplendissant. C'était si D'accord. beau. Je n'ai jamais vu un tel endroit ici sur Terre. Cet être lumineux atterrit devant une portail. Quand j'ai regardé de plus près, j'ai vu une très belle portail qui distillait la lumière de couleur dorée, C'est et beau! ça brillait intensément. J'ai C'est remarqué que cette porte de très perles avait une inscription qui disait « Bienvenue au royaume des cieux ». Les lettres de Bienvenue! cette écriture étaient ornées de diamants et de perles qui resplendissaient brillamment. J'avais l'impression qu'il y avait une célébration au-delà de la portail de perles dans la ville. On pouvait entendre l'écho de mélodies célestes de l'orchestre du ciel. Il y avait une fête derrière le portail de perles du royaume céleste, et je pouvais voir deux anges radieux de chaque côté de la porte perlée de ce royaume d'or éternel. Ces anges brillants étaient d'une très belle apparence, ils prenaient soin de cet endroit. Mais quand l'homme de lumière atterrit devant la porte nacrée du royaume éternel, soudainement j'ai vu beaucoup des anges éclatants, radieux et étincelants apparaître et atterrir à côté des deux anges gardiens du portail du royaume éternel. Ces anges étincelants se tenaient devant l'entité de lumière qui avait une apparence arrogante. J'ai remarqué que l'un de ces anges de lumière l'a arrêté, et lui a demandé, dites-nous où tu vas. Cette entité a répondu aux anges de lumière et a dit, j'ai rendez-vous avec le Seigneur. Immédiatement, il a tiré un parchemin de sa main, et il a montré les anges de lumière ce qui était écrit sur le parchemin. Il était écrit dans ce parchemin, le 7 avril 2018, le rendez-vous avec le Seigneur. À ce moment précis, un des anges de lumière lui dit, tu peux entrer. Quand ce personnage est entré dans le royaume des cieux, nous sommes entrés aussi dans la porte nacrée du ciel, je tenais la main du Saint-Esprit, qui me dit, allons après lui. En fait, cette entité de lumière que nous suivions était le diable, l'accusateur de nos frères, celui qui séduit le monde entier. Plus tard, le diable a atterri devant un trône majestueux. Le trône du Seigneur était si immense et énorme. Il rayonnait. Immédiatement, j'ai vu cette entité qui était le diable se présenter à celui qui était assis sur le trône. Je pouvais observer la partie inférieure du trône qui était en or. Tandis que j'observais le bas du trône, j'ai vu les pieds du Père qui était assis sur le trône. J'ai observé le Père sur son trône, et je voulais regarder sa partie supérieure. Mais quand mon D'accord. regard montait, je suis arrivé à comprendre que je ne pouvais pas observer la face de celui qui était assis sur le trône. En fait, devant le trône était une brume qui couvrait totalement le Seigneur. C'était une brume qui brillait intensément et brillamment, et qui ne permettait à personne de voir le visage du Père qui était assis sur un très grand trône, celui dont le nom était l'Éternel des armées. Puis j'observais l'autre entité qui était devant le trône de Dieu. Il s'appelait Satan. Quand il arriva devant le trône du Seigneur, il s'inclina devant la présence du Seigneur qui était assis sur le trône. Satan lui fit révérence,
et lui demanda « Vous m'avez appelé ?» Immédiatement j'ai vu le Seigneur qui était assis en train de gesticuler son doigt, qui a fait apparaître un énorme écran dans lequel étaient projetées des images. Pendant que j'observais des images qui étaient projetées sur l'écran, j'ai vu un homme prier sur ses genoux. Mais quand j'ai regardé de plus près, j'ai réalisé que c'était moi. J'étais prosterné devant la présence du Seigneur priant dans ma chambre. Ma prière sur la terre dans ma chambre était projetée dans cet écran dans le royaume des cieux. Le Seigneur a parlé à Satan et lui a dit, « Dites-moi, vous connaissez mon serviteur ?» Et je pouvais entendre Satan dire au Seigneur, « Vous l'avez béni pour le moment. » Le Seigneur lui dit, « Si je l'ai béni à ce moment précis à cause de ce style de vie de prière, nous regardions tous l'écran et nous pouvions entendre ma prière. » J'étais dans une distance de quelques mètres d'où Satan se tenait. Le diable était prosterné devant la présence du Seigneur dans ce lieu majestueux où il n'y avait pas de ténèbres mais plutôt une lumière éclatante. La réponse de Seigneur à Satan à propos de ma prospérité prit environ 2 ou 3 minutes dans le royaume des cieux. Pendant que Satan écoutait ma prière, puis le Seigneur Dieu a projeté une autre image sur cet écran. Nous avons commencé à observer la scène d'une femme qui était à genoux en train de prier. Son nom était Brenda Pixel. Le Seigneur a commencé à demander à Satan, « Vous la connaissez ?» Alors que la conversation entre Dieu et Satan se poursuivait devant le trône, le Saint-Esprit m'a emmené à l'intérieur de la ville éternelle et dorée. Nous avons atterri dans un magnifique bâtiment. Puis l'Esprit Saint a pris un enfant qui était en pleine répétition de la chorale des enfants dans ce royaume céleste. L'Esprit Saint a pris ce garçon et l'a tenu par la main. Pendant qu'on rentrait vers le trône du Père, cet enfant me toucha sur l'épaule gauche. J'observais l'enfant, j'ai commencé à remarquer que l'enfant était habillé avec des vêtements blancs qui étaient brillants et beaux, et il était caractérisé par les ravissements de la joie éternelle. L'enfant avait environ 8 ans, quand nous sommes arrivés devant le trône de Dieu. Nous regardions l'image de cette dame qui était prosternée et priait. Soudainement l'enfant nous a dit, « Voici ma mère sur la terre. » L'enfant me dit, « Quand tu retourneras sur terre, dis-lui que je vais bien maintenant. » L'enfant nous dit, « Je n'ai pas beaucoup de temps parce que je répète avec le cœur en prévision du grand jour de la noce de l'agneau. Ce jour est proche, et donc notre cœur est en train de répéter pour être prêt et chanter pour l'agneau et son épouse ce jour-là. » Mais dis à ma mère que je l'attends dans ce royaume de gloire. J'observais le Saint-Esprit qui tenut la main de l'enfant et l'emmena là où il répétait avec le cœur des enfants. Quand je regardais vers l'écran qui projetait des images, le Seigneur avait déjà projeté une autre image sur l'écran. Cette fois-ci c'était une femme sur la terre qui s'appelle Desi Rosario. J'ai commencé à observer cette femme sur cet écran. Le Seigneur demanda à Satan, « Vous la connaissez ?» Le diable a commencé à rire et a dit au Seigneur, « Elle est à moi. » Mais le Seigneur lui a contesté. Il lui dit « Elle ne vous appartient pas. » Mais Satan se mit à rire devant la présence du Seigneur et il a insisté sur le fait que la dame était la sienne. Puis le Seigneur projeta autres images. Ces images changeaient comme une chaîne de télévision que nous avons ici sur terre. Puis l'image d'un homme à genoux à côté de son lit en train de prier fut projetée. Cet homme priait à Dieu. Le Seigneur a demandé à Satan, « Le connaissez-vous ?» La réponse de Satan n'était ni oui ni non. Le Seigneur lui a dit, « Il est mon serviteur Arnoldo. Voyez-vous combien de fois il est venu me demander de lui toucher ?» Alors que cet échange continuait, l'Esprit Saint saisit ma main et nous avons quitté cet endroit. Le Seigneur continua sa conversation avec le diable. Et l'Esprit Saint me dit, « J'ai beaucoup d'autres choses à vous montrer. » Nous avons ainsi quitté le trône de Dieu. L'Esprit Saint a tenu ma main et me dit, « Je vais vous montrer un autre endroit très bel. » Et en un clin d'œil nous sommes arrivés dans un endroit. Nous sommes entrés dans un beau bâtiment dont la salle était spacieuse. J'ai commencé à regarder des enfants qui avaient environ 8 ans. Je pouvais voir beaucoup des filles et des garçons dans le royaume des cieux. Ils étaient dans ce lieu en train de répéter dans un chœur. Ici j'ai observé le Seigneur Jésus qui dirigeait la répétition de la chorale de ses enfants. J'ai eu l'impression que les enfants étaient formés et préparés à jouer les rôles des garçons et filles d'honneur au grand jour du noce de l'agneau. Ils étaient prêts à être accompagnateurs le marié au grand jour du noce. Ils allaient aider et faire partie du mariage de l'agneau et de sa fiancée. J'ai commencé à observer les garçons et les filles très beaux. Ils étaient approximativement 8 ans. Chacun était très beau avec le vêtement resplendissant du blanc le plus pur. Les enfants étaient beaux avec une apparence parfaite et ils étaient heureux, toujours souriants. De l'autre côté j'ai vu des filles ayant des cheveux blonds et noirs, et elles étaient dans une ligne. Les filles étaient sur le côté gauche et les petits garçons étaient sur la partie droite. Ces deux lignes étaient des garçons et des filles constituaient une route. Cette immense salle était remplie d'innombrables enfants qui répétaient dans un chœur dirigé par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Le Seigneur Jésus qui observait les enfants, leur fut un signal. À la suite de ceci, d'une seule voix, ils ont commencé à chanter une chanson du chœur,
qui dit béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, pendant que ce chœur céleste des enfants chantait. Je les ai rejoints et de toutes mes forces je criais à haute voix, Hosanna et gloire au Très-Haut. Les enfants chantaient d'une seule voix comme un chœur alors que le Seigneur Jésus-Christ les conduisait. C'était tellement merveilleux, ceci eut un impact sur ma vie. De voir comment le Seigneur Jésus avec les enfants répétait des mélodies célestes en anticipation du grand jour de la noce. L'Esprit Saint me dit que c'est la parade des mariages de l'agneau. La préparation est en cours pour le mariage de l'agneau. La Bible dit, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Puis l'Esprit Saint me prit ma main et me dit, nous devons partir ailleurs. Je dois vous montrer autre chose. Il m'a emmené à un autre endroit. Quand nous sommes arrivés à ce très bel endroit resplendissant, j'ai observé qu'il y avait une longue table. J'ai pu observer le début de cette table, mais je ne pouvais pas voir la fin de cette table interminable. De gauche et à droite de la table, il y avait des chaises qui étaient dorées et pures, et elles semblaient être préparées pour les rois et le prince. À ce moment précis, sur le dos de ces chaises, j'ai remarqué qu'il y avait des noms sur chacune de ces sièges. Chacun des chaises d'or était fait pour une personne spécifique, et avait son nom dessus. Je contemplais ces chaises en or pur. Quand j'observais au-dessus de la table et j'ai vu une nappe blanche resplendissante, je pouvais voir que sur les nappes il y avait des assiettes dorées. Il y avait des cuillères, et des couteaux, elles étaient couvertes. Puis j'ai vu des tasses scintillantes. J'ai vu des robes blanches qui étaient pliées sur le côté droit de chaque siège et de la table. Au-dessus des robes blanches des invités de la noce, il y avait des couronnes brillantes. La salle de fête de la noce était très vaste et majestueuse, glorieuse, et tout était préparé pour le mariage de l'agneau. Ce jour-là, l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. J'observais la préparation du mariage de l'agneau. J'ai vu les noms de beaucoup de gens de notre congrégation, mais je me souviens seulement de deux. Je me souviens qu'ils étaient écrits sur le dos des chaises d'or pur. Puis l'Esprit Saint a commencé à m'éloigner de la salle de noces de l'agneau. Comme nous partions, j'ai remarqué qu'une partie de la table et la chaise dorée n'avaient pas de robe blanche et pas de couronne d'or. J'ai demandé au Saint-Esprit à propos de ceci. Il me dit, au moment où meurent ces chrétiens dont le nom est sur les chaises d'or, en ce moment même leurs vêtements blancs et leur couronne viennent sur eux. Tout est prêt pour la célébration du mariage de l'agneau. Les tables et les chaises dorées sont préparées comme une réception royale pour le roi et le prince. J'ai vu les plats qui étaient en place, les couverts et les cuillères. Frères et sœurs, je voudrais vous encourager, disciples et soldats du Christ, à être forts et être courageux dans cette course. Vous devez être persistants afin de s'asseoir sur la chaise d'or pure préparée pour vous, et mettre un vêtement blanc pur et une couronne d'or. Combattez le bon combat afin de prendre place dans la salle de noces de l'agneau. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Alors l'Esprit Saint me tenut à nouveau la main et me dit, allons à un autre endroit. Nous sommes descendus très lentement à cet endroit. J'ai commencé à voir l'endroit était très beau et très resplendissant. J'ai commencé à observer qu'il y avait des arbres qui bougeaient d'un côté à l'autre. Je voyais que les feuilles des arbres jetaient une sorte de gel très blanc. Ces feuilles envoyaient leur parfum et leur fragrance qui était l'atmosphère de ce royaume éternel de lumière. Il y avait des fleurs magnifiques et épanouies de la doublure des variétés sans fin. J'observais un cours d'eau qui passait entre les arbres qui s'alignaient le long de l'eau. Le ruisseau était une très belle eau cristalline. Je me tenais debout observant le courant d'eau de cristal clair. Pendant que j'observais l'eau pure comme un verre, je commençais à entendre les oiseaux sur les arbres. Ces oiseaux chantaient des louanges au Seigneur. Alors qu'on continuait notre voyage dans cette cité céleste d'or pur. J'ai commencé à observer un jardin de roses dans lequel les fleurs chantaient des louanges au Seigneur avec un chant de louanges que je n'ai jamais entendu ici sur la terre. Les fleurs fleurissaient pour toujours, les feuilles des arbres qui ne se flétrissent jamais, comme nous nous promenons dans le jardin du ciel. J'ai regardé la majesté du Seigneur devant mes yeux. Le Saint-Esprit m'a dit que cet endroit s'appelait le paradis. Il y avait des grappes de fleurs célestes qui poussaient partout. Des bosquets de beaux arbres chargés de fruits, les arbres étaient beaux au-delà de tout ce que j'avais vu dans ma vie sur la terre. Leur forme était si belle, sans branches mortes ou flétries. Il n'y avait pas de soleil et pas de lune, mais la lumière du jour était transparente. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens dans cet endroit. L'herbe était très verte et rougeoyante. Je regardais beaucoup de gens, ils étaient en groupe parlant les uns aux autres. D'autres louaient le Seigneur en chantant, d'autres jouaient avec les petits animaux dans cet endroit. Plus tard j'ai commencé à observer un très beau jeune homme, qui avait un mouchoir à la main de couleur bleue. Il a commencé à faire tourner ce mouchoir avec sa main droite, et il l'a jeté en l'air.
Puis il a commencé à danser. Il n'arrêtait pas de danser. Il chantait des louanges au Seigneur. Le jeune homme semblait avoir environ 18 ans. Le Saint-Esprit m'a dit que c'était le roi David. J'ai commencé à observer le roi David louant et dansant pour le Seigneur. J'ai dit au Saint-Esprit, « S'il vous plaît, monsieur, pouvez-vous me montrer ma grand-mère si elle est ici ?» Elle était une vieille femme sur la terre quand elle mourut. Elle s'appelait Julia. Nous observions beaucoup de gens. Ils allaient et venaient. Tout le monde avait le même âge. Ils étaient tous très jeunes, environ 18 ans. Il y avait des femmes et il y avait des hommes. Puis j'ai vu venir des jeunes dames dans un petit groupe. Ils discutaient et souriaient entre eux. Aussitôt j'ai remarqué parmi eux une très belle jeune femme blanche d'environ 16 ans. Elle était habillée avec des vêtements blancs le plus pur et de beaux cheveux noirs, qui descendaient jusqu'à la taille. L'Esprit Saint dit, « Elle est ta grand-mère. » C'est alors que j'ai commencé à observer ma grand-mère. Au départ je pensais qu'elle serait vieille. Pourtant, au paradis, il n'y a pas de personne âgée. Tout le monde était habillé de jeunesse et d'immortalité dans ce royaume céleste et éternel. Il n'y a pas de personne âgée, alors que ces jeunes dames s'approchaient. L'Esprit Saint appela ma grand-mère par son nom. J'ai constaté que ma grand-mère était une jeune fille d'environ 16 ans. Du coup elle m'embrassa et me dit, « Tu es un très beau jeune homme. » Alors que je bavardais avec ma grand-mère, l'Esprit Saint était debout sur le côté gauche. Ma grand-mère était très belle. Elle me dit, « Je savais que tu étais arrivé au royaume des cieux. » J'ai été informé lorsque vous êtes entré dans les portails de ce royaume céleste de la lumière. Je vous attendais. Ma grand-mère, qui était apparemment une dame de 16 ans, me dit, « Je ne peux pas faire quoi que ce soit pour ceux qui sont là sur terre. Mais vous pouvez aller sur terre et leur apporter ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu et ce que vous allez entendre et voir dans ce royaume de lumière. » Alors j'ai tourné mon attention vers l'Esprit Saint. Je lui ai dit, « S'il te plaît, Seigneur, peux-tu me permettre d'avoir un moment avec grand-mère ?» Il me répondit, « Bien sûr. » Alors la jeune femme qui était ma grand-mère me prit et nous avons commencé à marcher vers un bel endroit. Pendant que nous parlions, le Seigneur Jésus-Christ a atterri où nous étions, et a commencé à parler avec nous. Il a parlé à chacun. Il a parlé d'abord avec ma grand-mère, puis il est venu me voir. Après cela, ma grand-mère m'a demandé, « Quelle est la condition des membres de la famille sur la terre ?» Je lui ai parlé de la condition de chaque membre de notre famille sur terre. Elle me demanda à propos d'Achille et Arnold, Brinda et Axel. Je lui ai parlé de la condition de chacun. La grande-mère me dit, « Va leur dire de faire un grand effort. Dis-leur de se battre. Même s'ils vont souffrir sur terre, ils auront une grande récompense dans ce royaume céleste de lumière. » Elle me dit, « Voyez comme je suis rajeunie ici. Je suis vêtue de jeunesse et d'immortalité. Toute maladie et souffrance est passée. Mon corps brille avec une grande lumière. J'étais vieux quand je suis mort mais je suis maintenant une demoiselle. Je veux que vous leur demandiez d'être forts et courageux. Je veux voir chacun d'eux dans ce lieu d'allégresse et de joie débordante. » Puis l'Esprit Saint qui m'attendait m'a appelé. Il m'a dit, « Tu m'as demandé un moment avec ta grande-maman. Je t'ai laissé un moment avec ta grand-mère. Maintenant il est temps de partir. » Ma grand-mère m'a emmené là où l'Esprit Saint nous attendait. Et c'est là que cette expérience du 7 avril 2018 s'est terminée. Quand mon esprit est revenu vers moi, j'ai continué à prier parce que je devais finir ce que j'ai promis à Dieu. Je lui ai promis que je prierai pendant 7 jours. Au petit matin du 10 avril de 2018, le Seigneur m'a donné une expérience. C'était différent de celui du 7 avril. L'expérience que le Seigneur m'a donnée a commencé pendant que je priais. J'ai dit au Seigneur, « Monsieur, ayez pitié de moi. » J'ai demandé miséricorde pour chacun de nous dans la famille. Quand soudainement j'ai vu l'Esprit Saint entrer dans ma maison dans la pièce où je priais, il est venu avec un ange resplendissant qui s'est présenté à moi. Cet ange me dit, « Je suis l'ange qui garde les archives du royaume des cieux. » J'ai commencé à voir que l'ange portait une sorte de cahier blanc sur lequel était écrit tout ce qui se passait, avec la date, le lieu, le nom. Quand ils ont atterri, le Saint-Esprit m'a instruit d'aller dans l'autre pièce et d'apporter une chaise. Je suis allé à l'autre chambre et j'ai apporté une chaise que je plaçais devant le lit. Puis soudainement j'ai vu 3 anges éclatants et radieux pleins de lumière atterrir dans ma chambre. J'ai remarqué que l'un des 3 anges qui ont atterri dans ma chambre était le Seigneur Jésus lui-même. C'était en fait 2 anges et le Seigneur lui-même. Quand j'ai commencé à observer le Seigneur, j'ai vu qu'il portait un vêtement de fin lin, éclatant et pur. Jésus était corpulent. Il portait une ceinture croisée, sur lequel était écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». La ceinture était d'or pur. J'observais le Seigneur qui était un être majestueux et les 2 anges brillants. Ces anges brillants se sont présentés à moi. Le premier a dit, « Mon nom est l'ange Gabriel. Je suis le messager du Seigneur. » L'autre ange dit, « Je suis l'archange Michaël. Je suis le protecteur de l'Église et de la terre. »
Puis les deux anges m'ont présenté le Seigneur Jésus-Christ, puis le Seigneur assis dans la chaise que le Saint-Esprit m'a ordonné d'apporter de l'autre pièce. Jésus a dit, « La dernière fois que vous nous avez visités au paradis, maintenant je suis venu vous rendre visite. Avez-vous une question à me poser ?» Quand le Seigneur a parlé, la première question qui m'est venue à l'esprit était sur mon récent mariage. J'ai dit, « Monsieur, je voudrais savoir si vous avez aimé le mariage que j'ai eu avec ma femme. » En fait, j'ai récemment épousé ma femme dans un mariage merveilleux. J'ai vu le Seigneur souriant de joie et de larmes. Je pouvais voir que ses larmes qui tombaient sur ses vêtements étaient blanches. Je n'étais pas capable de regarder son visage parce qu'il était très brillant. Je commençais à observer et à dire au Saint-Esprit qui était assis sur mon lit face au Seigneur Jésus-Christ. L'ange Gabriel et Michael étaient derrière le Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit me dit, « Quand vous avez épousé votre femme, votre mariage a été retransmis en direct dans le royaume des cieux, et une belle fête a été tenue. Quand l'Esprit Saint m'a révélé cela, j'ai compris pourquoi le Seigneur avait larmes de joie. Alors j'ai demandé au Seigneur Jésus, je l'ai dit, « Monsieur, votre serviteur dans notre église Perdomo m'a demandé de vous demander, si vous avez remarqué les louanges et adorations qu'il a composées pour vous. » Le Seigneur me dit, « J'ai envoyé mon serviteur afin qu'il vous aide et afin que vous puissiez être une équipe. » Alors le Seigneur Jésus a signalé l'ange des archives du ciel qui était sur le côté droit de me parler. L'ange des archives célestes me dit, « Les louanges et les paroles d'adoration que le serviteur a composées dans les 13 livres sont enregistrées dans la bibliothèque des archives du royaume des cieux. » Le Seigneur me dit, « Vous lui dites que je l'ai vu. » Et j'ai lu les 13 livres de louanges et d'adoration qu'il a écrits, et je les ai. Alors que l'ange des archives du royaume des cieux a continué à lire, j'observa le Seigneur Jésus qui s'éleva de la chaise, et il a traversé le toit en direction du ciel dans l'espace, et il a été rejoint par l'archange Michael et Gabriel. Mais l'ange des archives et l'Esprit Saint sont restés dans la pièce où je priais. Au petit matin du 10 avril de l'an 2018, l'Esprit Saint me montra que nous étions dans une très grande place, dans cet endroit. Les couleurs se rejoignaient et formaient une seule couleur qui était majestueuse. Je voyais des anges brillants avec très belles. J'ai commencé à observer que l'Esprit Saint était à mes côtés, habillé avec de fin lin pur, lumineux et propre. Nous nous approchions de l'endroit où se trouvait le Seigneur Jésus. Quand nous sommes arrivés là où Jésus était, il me dit, « Bienvenue, je vous attendais. » Puis le Seigneur Jésus a tenu ma main gauche et l'Esprit Saint a tenu ma main droite. Nous avons commencé à monter les escaliers, nous escaladions les gradins. J'ai commencé à observer une plateforme qui était avancée. Après la marche pendant quelque temps, j'ai commencé à remarquer une très belle porte d'or pur. La porte avait une inscription qui disait « Bienvenue au royaume des cieux ». Quand nous avons atteint la porte de la ville, j'observe immédiatement une ville immense qui était pure comme de l'or. Elle Wow. était très grande, je pouvais voir que les belles rues et les avenues de la ville sainte étaient dorées. C'était de l'or pur. Nous avons commencé à marcher dans cette ville, nous avons vu un pont, nous avons dû traverser la rivière par le pont pour atteindre l'autre extrémité. J'ai commencé à observer qu'il y avait des sentiers au bout de ce pont. J'ai marché sur un très bel endroit où j'ai vu un mur brillant et resplendissant qui était haut. Puis nous sommes arrivés à un endroit où il y avait une porte dorée. J'ai commencé à remarquer autour de la porte de la ville a été placé deux anges lumineux, un sur le côté droit et un autre sur le côté gauche. Lorsque les deux anges nous ont venir, ils ont fait un geste et la porte fut ouverte. Quand nous sommes entrés dans la porte de perles du ciel, les rachetés du ciel ont vu le Seigneur. Immédiatement ils ont commencé à donner gloire au Seigneur. Ils ont dit, « Hosanna et gloire à Dieu et l'agneau ». Ils donnaient gloire au Seigneur. J'ai commencé à voir quelque chose de majestueux. J'ai commencé à observer un très immense, une ville pure et brillante comme de l'or. Je ne peux pas décrire la longueur exacte de cette ville. Je pouvais voir que les rues de la ville étaient dorées. L'or pur brillait. Alors que nous marchions à travers la cité céleste, j'ai regardé des maisons sur le côté gauche et des maisons du côté droit. Alors que nous avancions sur l'avenue, j'observais des maisons un peu partout. Certaines maisons étaient plus petites que d'autres, et d'autres étaient plus grandes. Tout à coup, nous nous sommes arrêtés au milieu de l'avenue. Quand nous nous sommes arrêtés, nous avons commencé à observer une maison qui était en face de nous. J'observais cette maison quand je remarquais qu'il y avait des anges qui travaillaient dedans. Certains aménageaient et arrangeaient le jardin dans la partie gauche de cette maison. J'ai vu un certain nombre des anges de lumière décorant cette maison. Je regardais la porte de cette maison. C'était beau et c'était splendide. J'ai remarqué que la porte avait des cadres dorés. Et au milieu des cadres, j'ai vu comme un verre de cristal qui peut être vu vers le bas de la maison. J'ai commencé à observer les fenêtres de cette maison. J'ai remarqué qu'ils avaient des cadres d'or. Et au milieu des cadres dorés, les anges plaçaient du cristal. Cette maison était construite avec de grandes colonnes qui étaient en or pur.
Dans ces colonnes, on pouvait observer que les anges qui construisaient cette maison avaient incorporé de nombreuses perles et des massures précieuses comme le diamant. La colonne de perles dorées de la maison brillait de tant de lumière et de couleurs. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça sur la terre. Le Seigneur Jésus-Christ me dit, cette maison appartient à mon serviteur Arnold. La maison avait l'air si majestueuse. La maison était en or pur et resplendissant de diamants, de perles et de pierres précieuses qui brillaient de manière intense. Alors nous avons commencé à avancer. Puis nous nous sommes arrêtés devant une petite maison qui avait deux colonnes devant. Les colonnes étaient d'or pur et brillaient de perles et de diamants qui brillaient d'une grande lumière. Sur la partie gauche, il y avait une rose très belle. Il y avait des anges arrosant les fleurs du jardin de cette maison. Je commençais à remarquer que cette petite maison était encore plus ornée que les autres maisons que j'avais observées plus tôt. J'ai vu les anges du Seigneur remodelant cette maison. J'ai vu les anges en train d'enlever les portes et les fenêtres. Ils étaient sur grandir cette maison. Je me suis rapproché de la porte et je me suis tenu près de la fenêtre pour observer. Les anges ornaient la maison avec des pierres précieuses célestes. J'ai remarqué que la maison était terminée dehors mais à l'intérieur il y avait du travail à faire. Les anges éclatants remodelaient la maison et ils mettaient des ornements. Le Seigneur me dit, cette maison que vous voyez appartient à mon serviteur. Alors je dis au Seigneur, je voudrais aller voir le château là-bas à l'horizon. C'est très beau, donnez-moi s'il vous plaît d'aller voir. L'Esprit Saint et le Seigneur ont souri, et ils m'ont emmené là où était le beau château. Nous avons marché, et quand nous sommes arrivés devant le château, je me suis rendu compte qu'au loin le château semblait petit mais de près il était majestueux et énorme. Le château était comme au centre-ville, il était au centre d'un immense terrain, il était déjà préparé et prêt. Je regardais ce très grand château qui était d'or pur et il brillait. Il n'y avait pas d'obscurité ici, seulement la lumière éclatant. J'ai remarqué qu'il y avait un escalier circulaire à l'extérieur. Vous pouvez voir que ces escaliers allaient à une autre section du château. C'était majestueux. J'ai eu l'impression que beaucoup de gens allaient vivre dans ce château qui était en or pur et resplendissant. Le Seigneur me dit, cette maison que vous voyez ici est pour mon serviteur Hijab. Puis nous avons continué à sillonner cette ville éternelle de lumière. Alors que nous marchions dans ce royaume d'or, je pouvais voir ce qui était devant nous à l'horizon. Nous étions face à une plage à l'horizon qui était immense. Et devant cette plage il y avait une immense mer de cristal. Je contemplais les belles vagues, ils étaient doux. L'eau de ce fleuve était de cristal, propre et brillante. La mer brillait comme du verre. J'ai commencé à observer la joie de cette plage. Il y avait de belles maisons autour de la plage. Ils étaient de petites maisons mais jolies. J'appréciais la vue du fleuve et de la plage quand soudainement le Seigneur me dit, « Nous devons retourner sur la terre. » Et le voyage dans le royaume de lumière prit fin là. Wow. Mais frère, ça c'est pas de la blague, c'est pas de la blague, c'est pas de la blague. C'est le paradis, il s'agit du paradis, nous avons entendu des choses extraordinaires. Moi franchement, ce qui m'a touché de ce témoignage depuis de regarder, c'est que le diable, il faisait quoi au paradis là-bas? Qu'est-ce qu'il cherchait là-bas encore? Ah, tu vas voir Dieu pour accuser encore nos frères, nos soeurs. Quand tu commences à réussir un peu seulement d'être... Tu vois que quelqu'un se lève, ah, il a réussi, il a l'argent, pourquoi? Et c'est le diable qui fait ça. C'est parce que le diable va encore devant Dieu là-bas pour faire des choses bizarres. Vous-même, vous avez entendu en même temps que nous. Qu'en pensez-vous? Waouh! Si ça vous a plu, laissez un j'aime et préparez-vous pour la prochaine vidéo qui va apparaître en peu de temps. Nous entendons une autre dimension maintenant. Cliquez sur j'aime. Et si vous n'êtes pas abonné, veuillez faire bien que vous êtes abonné. Sinon, cliquez sur s'abonner, cliquez également sur la cloche et regardez la prochaine vidéo ou encore l'une des vidéos qui s'affichera sur l'écran. Ça va être chaud. Let's go!